Eh bien, salut tout le monde, ici Azarath, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur PlanetSide pour une vidéo test, une vidéo pour voir si je peux gérer le 1080p 60 fps en ultra, etc. sur PlanetSide. Donc c'est surtout pour un test, et pour ce test, oui, je vais le faire. Je vais jouer avec le nouveau conglomérat. Oui, je vais le faire. Je vais faire ce geste pour vous. Je joue avec eux. Voilà. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Là, je capture avec Shadowplay. J'espère que tout va bien se passer. Donc, le jeu est en full total ultra de la mort qui tue. Normalement, là, ça capture en 1920 par 1080 en 60 fps, normalement. Je dis bien normalement. J'espère que la capture va pas réduire le framerate. Je reste à 60 pour l'instant. 53, 52. Ouais, c'est bon. Alors. Ah oui, c'est vrai, je suis. Ah putain. Le nouveau conglomérat. Oh là là. Bon, qu'est-ce que j'ai déjà? Je crois que j'ai déjà des armes, etc. Non, c'est pas ça. Juste pour voir mes armes. Le M6 concasseur, c'est un peu diapo. Ouais, je me suis. En lance-roquette, j'ai le Phoenix. C'est le truc téléguidé cheaté de la mort, là. De toute façon, ils sont cheatés, eux. Ils ont des snipers cheatés, ils ont des lance-roquettes cheatés, voilà. Voilà, c'est beau quand même. Ça n'a rien à voir avec... avec ce que j'ai... Oh. Bon, j'espère que le son est pas trop fort, mais de toute façon, on se fait... On se fait camper, hein. On se fait farm, j'ai envie de dire. C'est cheaté ce truc. Donc voilà, on peut apprécier les textures, les magnifiques textures du jeu. Le magnifique bouclier, bon bah je crois que là on verra un peu que ça parce qu'on se fait... Ah bah passe pas devant moi. Bah forcément, si tu passes devant moi. Tête de con là. Ouais, non, là, on se fait... Oh. Je lance une grenade, au hasard. Attends, j'ai fait 2 kills. J'ai fait 2 kills à la grenade. C'est pas possible. Bon, alors, le Xam, qu'est-ce que j'ai comme arme? J'ai rien du tout pour le Xam. J'ai juste le truc de... Bon vieux truc de base, là. Et le shotgun. Le shotgun surcheaté d'Xam. Ok. Je suis mort, comme vous pouvez le constater, par un putain de sniper de mes deux. Hein, le fameux sniper en tenue moulante. Hein, on se fout de la gueule des Vanu. Je suis bien d'accord, viens les Vanu. Sans violet. Sans combi moulante, spandex mania, machin. Bah oui, bah regardez les terrains un peu aussi. Là. Ah, j'arrive bien sortir. Oh, YOLO! YOLO dans ta gueule! Oh. Ouais, non, en fait, là, on se fait complètement. Ouais, non, ça sert à rien de rester là, en fait. Hein. J'ai l'impression. Où est le reste des troupes, j'ai envie de dire, sur les Amirs, apparemment. Donc on va aller à la Warpgate. On va aller à la Warpgate. En fait, ils sont pas si mal les bleus. Ils sont pas mal du tout. Hein.
Oh. Attends. Ils ont les armes qui font le plus de dégâts. Ils sont enfin, la précision, bon ben, ça laisse quand même un peu à désirer, mais. Mais quand même, hein. J'ai envie de dire quand même. Ouais, non, précision. Faut vraiment faire des petites rafales. Et un bouclier. Bon allez, direction. Ah bah ils sont tous là-bas les cons. Bah oui. Bon bah. On va les suivre. En même temps, il a un peu 1h42 du mat. J'ai voulu faire une vidéo sur 7 Day, l'alpha disque qui vient de sortir tout juste il y a peut-être 1 heure de ça. Mais malheureusement, ça a bugué à mort. J'ai capturé avec XSplit parce que Shadowplay ne marchait pas. Forcément. Tellement j'ai de bol. On va aller là-bas. Hop là. On va prendre un petit. Hop, 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 hop. Un ravageur, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ravageur. Un vaisseau de clodo de rebelle, voilà. Hein? C'est un peu plus approprié comme nom, le machin on dirait qu'il sort d'une décharge, voilà. Hein? Ah oui, je joue avec les bleus, mais moi je. Oh. Il y a des limites, hein. C'est pas pour autant que. Même si j'avoue que leurs armes sont quand même sympas. Ah oh, quoique, j'en sais rien. Et voilà, voilà, maintenant j'ai le doute. Avec quelle faction je vais jouer? Non mais... Parce que... J'en sais rien en fait. Oh merde. Bon, faut défendre ici en tout cas. On va faire un dogfight. Ça, je pouvais pas le faire avant. Hein. J'avais des putains de blagues. Et là, c'est des batailles aériennes et tout. Ouais. Je suis un pilote, moi. Je peux pas test. Oh là, oh là, va falloir que je m'éjecte. Éjection! Merde. Ah, c'est con. Ça serait un médecin, ça serait épique. Voilà, c'est vraiment pour test, hein, le but là de ce que je fais, c'est vraiment pas de faire du gameplay machin. Oh, oh là là. Ah, par contre, c'est chiant, on peut pas autodétruire son missile. Dans PlanetSide 1, on pouvait, il me semble. Quand tu faisais clic droit, quand tu contrôlais le missile, tu pouvais l'autodétruire. Ce qui était plus pratique. Au cas où tu te fais attaquer et tout, tu t'abandonnes le missile quoi pour pouvoir te défendre. Sortir ton flingue et te défendre. Et pas rester comme un con avec ta télécommande. Là. Voilà. Mais bon. C'est tout, c'est pas non plus. En général, quand tu utilises ça, t'es bien planqué. Hein, parce que les fourbes, les putains de fourbes du nouveau conglomérat, hein, ils sont bien planqués, les salopards. Regarde-les. Regarde-toi, infiltré, les deux. Ah, je les vois, j'ai envie de tirer dessus. Mais c'est con, ils sont dans mon équipe. Bon, y'a personne, là, en fait, là. Je suis où, là? Ah, d'accord, le baston s'est déplacé là-bas. Bah, c'est cool, merci de me prévenir. Putain. Allez, redéploie. Redéploiement. Et bien sûr, je peux pas y aller. Parce que sinon c'est pas drôle, donc on va retourner là-bas. Ah, je suis allé au mauvais endroit avec mon truc. Donc en fait, je suis un gros connard. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'avais des petits doutes. Mais voilà, mes doutes se sont avérés justes. Je suis un gros con. Je me suis trompé d'endroit, tout simplement.
Bon, bah c'est tout, hein, c'est pas... C'est pas la mort, hein. Bien sûr, je peux pas prendre de ravageur, donc je vais prendre un vieux Valkyrie dégueulasse. Voilà. Encore plus dégueulasse que le ravageur. Tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle, quoi. Attends, est-ce que sur les places 3, 4, 5, on peut voir dehors et tirer? Ah ouais! Ah, c'est épique ce truc! Ah, il est peut-être dégueulasse, mais c'est trop bien le Valkyrie. Genre, tu montes à plusieurs dedans, tu tires des roquettes et tout. Tu prends toute une escouade, tout un escadron de Valkyrie comme ça. Ah ouais! Ah, ça fait. C'est l'hélicoptère du jeu, quoi, en fait. C'est pas mal. On peut faire voler à l'envers aussi. Ouais, non, j'ai l'impression qu'on peut pas. Je vais me cracher, en fait. Ouah, j'ai failli me cracher. Ah, j'arrive à l'objectif. Ah non, ça retombe! Putain, ça retombe quand t'avances. Ah ok. Alors c'est ça qu'il faut... D'accord, c'est là que ça pète. Rien à foutre, moi ! Kamikaze ! Bon, j'ai fait de la merde, mais Je l'ai fait exprès, hein, voilà. Parce que je voulais pas me retrouver... C'était juste pour me déplacer, le Valkyrie, hein. Je comptais pas faire une opération de la mort qui tue avec, hein. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que j'aimerais bien... Alors, l'exam... Bon, je peux pas le prendre, bien sûr. Mais... Armentier infanterie, 250. 250 points de certes. Du coup, je vais économiser, je pense. Pour pouvoir m'acheter... Pour pouvoir m'acheter le gros fusil à pompe de cheaté du XAM. Voilà. Je cherchais le nom. Mais je l'ai trouvé, c'est le gros fusil à pompe cheaté. Le gros fusil à pompe cheaté du pleutre. Voilà, voilà. Du pleutre Clodo Rebelle. Ah bah dis donc. Ça va les Terran, on s'éclate bien là. On s'éclate comme des petits fous. Oh, y a un temple là-bas. C'est allié ou c'est ennemi, ça? C'est méchant, ça. C'est méchant, ça. Et boum! Vous voyez que c'est cheaté, ce truc? Voilà, tu atteins tout le temps ta cible. C'est un truc de... Regardez, regardez. Voilà, c'est ça. C'est ces missiles-là. Voilà. Regarde. Bon, par contre, c'est des missiles qui sont un peu lents. Mais... Hop, regardez là le mec. Ah. C'est bizarre qu'il ait pété aussitôt. Je dirais même c'est très étrange. C'est très très étrange. Bon bon bon. Alors vous savez quoi, je vais la mettre telle quelle dans le... sur YouTube. Je vais même pas la monter avec Sony Vegas. En mode rien à foutre. Je vais pas mettre d'intro, je vais rien mettre, c'est juste une vidéo test. Ah oui, ah oui, merde, merde. Oh, Vanille, là, Vanille. Ok. Disparvoie Calamitas. Il s'est téléporté, le bordel, ou quoi? C'est quoi cette musique? Une musique bizarre, quoi. Ah, c'était pas là. Je crois que c'était un klaxon. Générateur de bouclier en état de... Ouais, c'est ça, c'est klaxon. Y'en a un qui fait mumuse. Voilà. Ah si, je l'ai au moins touché une fois, mais il était temps. Parce que, putain. Parce que les armes, elles font peut-être mal, mais putain, qu'est-ce que c'est... Hein? Tu
tires en l'air, tu peux te prendre une balle dans le pied, quoi. C'est hallucinant. Et l'ado m'invite dans son escouade. Ah bah ils sont tous là, il y a tout un platoon là. Hey, qu'est-ce que tu fais toi là-bas? Ah bah avance un peu. Parce qu'on est des ouf malades. Générateur détruit. Générateur détruit. Générateur détruit. Bon, j'espère que le 60 FPS vous plaît. J'ai quelques baisses quand je suis près d'effets comme ça. Quand je suis près d'effets graphiques dans ce genre-là, voilà, je baisse à 46, 45. Je fais pas du 60, quoi. Quand je suis dans des effets de bouclier, tout ça. Enfin, mais bon, c'est pas plus gênant que ça. Ouh, il y a des mines. Ils ont posé des mines, les salauds. Il y a un adapteur dans la salle. Ouais, bah voilà, on a pris le truc, là, on a pris le bousin, c'est bien ça. C'est très très bien ça. Là, il y a un magnifique disperseur. Magnifique disperseur qui va nous conduire à la prochaine zone de combat. Parce qu'on n'est pas des tapettes. On n'est pas des tapettes. Ah ah, oh, je te parle. Eh. Bon, tu me réponds le canon là, je te fais un signe. Mais il veut pas. Pas me répondre. Ah oui, c'est lui qui fait la musique. Ça rigole pas. C'est quoi ça? C'est l'hymne du nouveau conglomérat? Y'a des mosquitos partout! Mon dieu! Bon, je sais pas où il nous emmène lui, mais... Ah, là-bas, d'accord. D'accord. Ah oui, on a quand même 1500 munitions, ça fait beaucoup, hein. On a de quoi faire mes muses. Bon, leur vue thermique bizarre, là, par contre, elle est un peu... C'est bien quand il fait nuit, quoi. C'est étrange, comme truc. Ouais. Ah, d'accord, on se fait attaquer. D'accord. Je comprends mieux. Bon. En fait, on se fait attaquer. Très bien. Fait attaquer par les gugus de la République. C'est encore au point E. On va aller débusquer cette canaille. Oh bah ils sont déjà en train de capturer le point. Ça a été vite! Je veux l'XP. L'XP. Bon, ils sont... Ah, là, en même temps, je suis en train de jouer. Il va être un peu 2h du mat. Il n'y a plus grand monde hein, sur le serveur européen. Même si on est samedi soir, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Ah là là. La belle époque du premier Planet Side où on se fightait pendant des jours et des jours. Les batailles, elles duraient plusieurs jours. C'était épique.
Mais là, là je sais pas, c'est beau graphiquement tout ça, c'est... Mais voilà, c'est pas la même chose. Un peu nostalgique hein, des fois. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein. C'était juste pour un test, hein. J'avais pas besoin de 3 millions d'heures de vidéo. Tu te fais tirer dessus, toi, mon grand. Tu te fais tirer dessus par... le mec là-bas. Par un véhicule qui doit se trouver là-bas. Ah, je t'ai vu! Je suis un peu loin. Ouais, les missiles comme ça, ils peuvent se faire détruire, c'est ça qui est chiant. C'est ça qui est chiant aussi. Mais ça permet de voir un peu où se trouvent les positions ennemies, tu peux espionner, tout ça. Tu peux espionner. Tu peux faire pas mal de petites choses avec, avec ce lance-missile. Tu peux même rentrer dans les bâtiments. C'est sympa. C'est sympa comme truc. Oui, donc je vais vous laisser ici. J'espère que ça vous aura plu. C'était surtout une vidéo test. Hein. C'était pas un... Oh, il se fait shotgunner la tronche, lui. C'était vraiment pas pour faire une démonstration de gameplay qui est plus que douteux. Hein. Faut quand même le dire. Hein. Mon gameplay est fortement douteux. Je fais tout... et n'importe quoi, voilà. Grenade dans le vide. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, etc., etc. Je vais essayer de faire une vidéo 1080p 60 fps de 7 days, mais je promets rien. Le premier essai que j'ai fait, ça a foiré. Du sport, le sport, la suite de sport. Il faut que je refasse une sauvegarde, malheureusement, mais vous inquiétez pas. Ça sera fait, et pareil, ça sera en 1080p 60 fps. Tous les jeux que je pourrais faire comme ça, je le ferai. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite bonne soirée et bonne journée. Je vous dis à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao !